Yo les gens, allez, je vous propose d'aller faire un petit tour sur Moss pour aller vivre la suite de cette aventure. Alors, dans l'épisode précédent, on venait tout juste de trouver une nouvelle compétence pour notre épée qui nous permettait en fait de charger une sorte de boule d'énergie et de pouvoir tirer à distance. Donc je pense que ça va nous offrir de nouvelles perspectives de jeu et de gameplay. Sinon, au niveau de l'histoire, nous étions toujours à la recherche de cette relique de verre et de notre oncle qui s'est fait enfermer, enfin du moins qui est parti quelque part. Et on est parti donc à sa recherche, on a différents indices qui nous guident et des personnes plus ou moins de confiance, comme un crapaud ou alors une personne qu'on appelle l'étoilée. Allez, on va aller voir la suite de cette aventure tout de suite. Ah mais alors là, moi je peux rien faire, de l'autre côté je peux pas passer parce que c'est grillagé. Bon allez, sérieusement. Moi je voudrais bien que tu passes par là. Sois mignonne. Ah ben non, c'est vrai, je suis bête. Je suis bête. Ok. Est-ce que je peux sauter là ici de l'autre côté? Ça me paraît. Ha. J'ai envie de le tenter. Hein. Bon ben voilà, ça y est, je l'ai tué. Donc c'était pas une bonne idée. Ah ok, d'accord. Donc en fait, il fallait que je saute. Donc il fallait bien que je descende ici. Ma première intuition était pas mauvaise, pour une fois. Hop, ok. Il avait fallu que je saute ici. En venant par là, comme il y avait déjà le scarabée qui était ici, je l'ai tué. Et une fois qu'il est mort, il y en a un nouveau qui est revenu, parce que dès qu'on en tue, il y en a toujours un qui revient. Et là, j'ai pu le bloquer ici, ce qui va pouvoir me permettre de pouvoir faire le tour. Hop. Ah oui. Mais genre, il faut que je meure pour pouvoir... Ça me paraît chaud, quand même. Parce que là, à chaque fois, voilà, je suis obligé de mourir. Si je remets le scarabée exactement là, ça va pas le faire. Ah, j'ai loupé un truc. Ok, j'ai compris. Je pense que j'ai compris. Parce que là, il y a une plateforme ici, et donc il y a forcément un intérêt. Et on a appris une nouvelle technique, qui est de charger notre épée. Maintenant que l'épée, elle est chargée, je vais pouvoir tuer le scarabée à condition de bien viser. Ce qui n'est pas le cas. Voilà, le scarabée, il est mort, et il y en a un nouveau qui va apparaître, normalement. De l'autre côté, là pendant ce temps, moi je peux rejoindre ici. Alors tombe pas ma petite. Toi pendant ce temps, tu viens là. Et hop là. Heureusement qu'il y avait une deuxième plateforme, sinon je tombais. Encore. Ok, et là hop, je chope ça. On va monter là-haut parce que il faut taper les pots parce que c'est toujours rigolo. Et là on va ouvrir le levier. Et où est-ce qu'on va pouvoir passer? Oui, la porte elle s'ouvre. Super, bien joué. Conseille à la voix. Les obstacles seront nombreux, mais notre héroïne a besoin de toi. Bien joué. Super. Will se sentait rassurée. Elle était mieux préparée à affronter les dangers du château. Le crapaud, cependant, était loin d'être impressionné. Ce n'est toujours qu'un rongeur,
habillé comme un champion. Ils ne trouveront jamais le dernier portail. Ok. Il fait essayer de me casser, c'est ça, hein? Si j'ai bien compris. Bon, bah on va retourner de là où on vient. Hop. Allez, on va sauter ici. Alors, je me souviens plus. Ah oui, j'étais au bord de la plage. On était au bord de la plage. Ah, d'accord. Et en fait, on est allé chercher donc un nouveau pouvoir. Et ce nouveau pouvoir va très certainement nous servir à quelque chose. Eh bien, monte. Allez, un petit effort. Tu vois quand tu veux. La distance me paraît grande. Ah, mais je peux aller en face. Eh oui. Est-ce que je peux remonter là-haut? Alors, est-ce qu'il y a un intérêt que je continue là-bas? Ah, j'y ai cru pendant un moment. Ouch! Vraiment, je finis par me demander s'il n'y a pas un intérêt à ce que j'aille jusqu'au bout là-bas, mais bon. Ah bah du coup, j'ai plus qu'à recommencer. Super. Allez, on retourne dans la montagne, on va voir ce qu'il y a. Qu'est-ce qui s'y passe? Oh, une mine. On dirait bien un vieux genre de mine abandonnée. J'ai l'impression qu'elle m'a fait un petit signe. J'ai pas bien compris ce que c'était. Genre comme s'il y avait une odeur ou quelque chose. Oula. Ok. Ouais, genre ça sent pas bon quoi, ça va péter. Voilà. Non, 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 non. Oula, 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 oula. Oh purée, mais ça devient... Ça devient très tendu, là. Beaucoup de mal à me soigner. Oh la vache. Ah là, c'était sportif, hein. Alors visiblement ça a ouvert ça, ça se monte tout seul, très bien. Et ensuite, on va aller là. Donc là on voit clairement qu'il faut glisser là-dessus. Ah là-dessus il y a une grille qui est encore fermée, donc il y a peut-être moyen de l'ouvrir quelque part, mais j'ai pas encore vu où. Et ça nous cache un levier visiblement. Bon là il n'y a rien de caché, très bien. On va pouvoir monter là-dessus. On saute sur le petit pont. Bon alors apparemment la grille, j'ai pas réussi à l'ouvrir tout de suite. Ah mais c'est le parchemin en plus. Ah mais les parchemins, c'est de plus en plus dur de les choper. Hein, j'ai l'impression. Comment ouvrir la grille? Est-ce qu'il doit y avoir un autre levier quelque part? Mais je vois rien. Bon, malheureusement, je vais pas passer trop de temps là-dessus. Et je vais m'arrêter ici pour cette vidéo. Je vous remercie en tout cas de l'avoir suivi jusqu'ici. Et moi, je vous dis ciao, à la prochaine.